Hey, salut tout le monde, SlicePartner, c'est pour le channel FFT Gaming avec le deuxième épisode de Shadow of the Colossus. Vous voyez sûrement une petite différence avec la dernière vidéo. C'est qu'en ce moment, je suis sur une vraie PS2. Fred m'a apporté son PS2, puis avec son Camcorder HD. Je suis en mesure d'enregistrer des vidéos de console. Donc au lieu d'être sur l'éliminateur, bon, c'est ça qu'ils ont. J'ai rejoué les deux premiers Colossus pour en fond arriver exactement où est-ce qu'on en était. C'est ça qui est ça. Donc si jamais ça, il devrait plus avoir de trucs étranges. Peut-être que l'écran est bizarre. Bon, c'est sûr que la qualité vidéo est différente. Mais bon. Au moins le jeu il lag pas. Puis le son cinématique suit. J'ai tout fait pour essayer de venir à bout de. Disons, d'éliminateur pour qu'il fonctionne mieux. Mais il n'y avait rien à faire, puis je me suis tanné au bout de 15 minutes de gossage. En fait, j'ai gossé 1 h 15, mais bon. C'est ça qui est ça. Que la place, on est là. Avec le camcorder. On a gossé à peu près 1 heure hier juste pour le faire fonctionner pour le PS2, donc c'était très, très amusant. J'aurais aussi. En ce moment, je vais faire Shadow of the Colossus, puis après ça, on va peut-être switcher pour le Xbox 360. Kuro m'a laissé beaucoup de jeux. Avec la console, je vais augmenter la luminosité un peu plus. Et voilà. Sans plus tarder, on va se diriger vers le prochain Colossus. Come on. Et c'est parti pour le deuxième épisode de Shadow of the Colossus. J'ai demandé quelques trucs à Fred, dont certaines habiletés que Wander a. Donc maintenant, je peux me lever debout sur le cheval. Anyway, en route vers le Colossus. Je vais probablement couper certaines phases de déplacement si jamais je vois que c'est trop long. Si vous voyez des coupures étranges ou que ça suit pas, c'est parce qu'il n'y avait rien d'intéressant à voir. C'est ça. Kuro est venu en fin de semaine. On a enregistré 3 épisodes de Sonic 06 pour le bonheur de tous et à son grand désarroi. Kuro déteste Sonic 06. Mais moi j'ai adoré le voir souffrir. J'ai souffert aussi dans ce jeu-là, c'est épouvantablement mauvais. Mais bon, on est venu à bout d'avoir du fun, puis les épisodes sont très bons. Ils seront pas postés tout back-à-back. Ils vont être distancés. Come on! Ah ouais! Ils vont être distancés. Ça va être comme des épisodes bonbons si on veut. Parce que on en a juste fait 3. Puis le premier est déjà en ligne. Puis l'opportunité qu'on a eue, c'est qu'elle se représentera pas souvent. Donc on va garder ces épisodes-là comme des épisodes bonbons. Puis j'espère que ça va vous plaire. Pendant que je cherche où est-ce qu'il faut que je m'en aille. Vérifier la map.
Ok. Donc on reprend l'aventure, puis cette fois-ci sur la console originale. Je pourrais peut-être faire un stream. Le stream, j'ai testé avec le programme. Ça a pas l'air de fonctionner très bien. Je pense que c'est un manque de ressources de mon portable, de mon PC. Il a l'air de manquer de ressources. On lance le stream, puis ça lag. Je suis pas capable de voir ce qui se passe dans le stream, donc sûrement devoir trouver une meilleure façon de streamer. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il fallait que j'aille. Mais ouais, Splatoon, peut-être streamer du Splatoon sur la Wii U. Ça pourrait être intéressant. Peut-être aussi quelques épisodes de Super Smash Brothers. Je suis pas très bon au jeu, mais ça pourrait être intéressant quand même. Je me demande si ça vaut vraiment la peine de button mash le X pour aller plus vite. Je me rappelle un peu du chemin. J'ai vu un autre youtubeur faire le jeu. Je pense que c'était. Ouais, c'était Jacksepticeye. C'est son jeu préféré. J'aime bien. Moi, c'est pas mon jeu préféré. Je pense pas que j'ai joué mon jeu préféré sur le channel. Tout simplement parce que. Ça serait trop compliqué. C'est mon jeu préféré, oui, mais je suis tellement écœuré de le faire, le jeu. C'est plus de secret. La seule version que j'aimerais jouer, c'est sur 3DS. Puis, j'ai pas de capture card pour la 3DS. Donc, ça se fera pas. Yes, je suis rendu. Wow, je pensais jamais de mal. Donc, comme à l'habitude, je vais, dépendamment du temps, je vais voir combien de temps que les épisodes prennent. Mais ça devrait tourner aux alentours de au moins deux Colossus par vidéo. Ok, on arrive au premier du deuxième vidéo. Puis, on va se revoir au sommet de la montagne, parce que y a personne qui veut me voir nager, right? Donc, attends, très bienvenue avec moi. Désolé de la coupure étrange, avec la transition bizarre. Ok, that's it, là. J'ai tellement l'impression que le jeu roule à 60 FPS. Je suis pas certain, mais j'en ai l'impression. Anyway, à vous juger. Je suis pas un professionnel de FPS. FPS frame par seconde. Le nombre d'images par seconde. Anyway. Pas là pour un cours. On est là pour détruire une pauvre créature qui a jamais rien fait de mal à personne. Mais. Et le voilà. Oh, ça c'est intéressant. Ah, il est réussi. Il y a un truc que j'ai trouvé de différent à date avec le jeu, c'est que le final blow qu'on donne. Bon, il me semble que j'ai réfléchi beaucoup ce soir pour parler. Ça doit être la fatigue. Le final blow de toutes les Colossus sur la version PS2, pas de ralenti. Dans le premier épisode, on voyait le final blow ralenti, c'était fucking épique. Pas dans la version PS2. Je sais pas. Je
comprends pas. Je sais pas si c'est une différence entre la version Europe ou la version américaine, parce que sur l'émulateur, je jouais la version européenne. Différence, oui, non, peut-être, non, on saura pas. Là, je me renseigne. Là, je vais le faire de la manière facile. Il y a une autre façon de le faire, mais ça me tente pas, parce que je suis pas assez bon. Oui, il est mécontent. Le... J'ai enregistré... spéciale pour le channel en anglais. Ceux qui veulent voir ce channel là en anglais, le link va être dans la description. Il n'y a pas de vidéo encore. Je pense que j'en ai parlé dans le premier épisode de Shadow of the Colossus. Mais bon, là je vais essayer de me concentrer pour grimper sur cette abomination. Oh shit, 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 shit. Que je suis supposé d'embarquer sur son garde, sur son bras, sauter sur sa taille. Mais j'ai pas envie de faire ça. Je vais monter sur son épaule. Mais j'ai pas assez de stamina pour ça. Et de toute façon, je pense que... Oh, 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 non, 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 on se calme, on se calme. Ah, sérieux, pour avoir fait les deux premiers hier, j'aurais fait les deux premiers sur la version européenne de l'émulateur, je peux presque affirmer que la version sur émulateur est un petit peu plus facile à jouer. Parce que j'ai incroyablement de difficultés en ce moment. Fais la danse du ventre. Ça va piquer un peu. Oui, ça fait mal. Oh, ça fait mal. Come on. Aide de gigoter. Oh, excusez-moi. Donc c'est ça, avec le camcorder, j'ai beaucoup plus de liberté dans ce que je peux jouer sur le channel, parce que là sur l'ordinateur il n'y avait plus grand chose d'intéressant. J'avais testé Amnesia, mais bon, je pense que j'en avais déjà parlé. Amnesia ne fonctionne pas très bien, simplement parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe dans ce jeu là avant une éternité. Malheureusement, tu peux pas juste décider de tiens, je vais couper jusqu'à temps qu'il y ait de l'action, parce que sinon tu comprends plus rien, puis le monde met tout sa planète. Ok, je vais peut-être mettre ça sur la glace. Et je suis revenu en avant. Génial. Ok, YOLO! Alright, ça y est, c'est bon. Peux-tu te relaxer une minute et demie? Si. Je peux monter sur ton épaule. Pas ton nipple, mais ton épaule. On dit que ces deux mots-là, ça sent. Let's go. Ah, come on, attache-toi. Non! Il y en a un fait que je me suis toujours demandé, c'est pourquoi ils font pas juste venir te chercher avec leur main ouverte. Oh, wow! Pas trop loin, allez.
non! Ah, ouais, on est revenu. Presque rendu, je suis à son épaule. C'était le troisième. Il en reste un pour cet épisode-ci. Puis je vais couper le saving parce qu'étonnamment sur le PS2, c'est. Genre. J'ai rien dit. Non, attends, attends, attends. C'est étonnamment long sur le PS2. Green fields, rows of guiding graves. I said, is it? It is a giant indeed, but fearful it is not. Donc, ça va faire la girafe. Je pense qu'il y a de toutes les. De tous les Colossus, je pense que c'est mon préféré celui-là. Je pense. Est-ce que sérieux? Est-ce que celui-là? Ouais, je pense que la girafe c'est mon préféré. Ce Colossus-là est énorme. Bon, ok, il y en a d'autres beaucoup plus gros que lui, mais lui, c'est la façon de le battre qui est intéressante. Je trouve ça drôle. Il est curieux. C'est ça qui va mener à sa perte. Où est-ce qu'il est? Par là. Par là. Ça c'est par où? Par là. Oui, comme le menu ici là. Je sais pas pourquoi ça. Je sais pas si ça le montre vraiment dans la vidéo. Mais sur ma TV, ça a tellement l'air d'être en 60 FPS. Anyway. C'est par là qu'on s'en va. Youpi! Ouh! Ah tiens, je vais raconter une histoire. Une histoire. C'est la première fois que j'ai joué sur ce jeu-là, donc. C'était une fin de semaine que je suis descendu, c'est Nick. Puis, je me demande, après avoir vu souvent l'animation des GoRaptor, Shadow of the Awesome, s'il y avait le jeu, Shadow of the Colossus. Et il dit, oui, je l'ai. Et j'allais même sur PS3 en téléchargement digital. Ouais, c'est cool, et je peux te l'essayer, tu sais. Ouais, pas de trouble. Je pense que je me suis rendu à. Je pense que j'ai fait le jeu au complet chez lui. Mais je suis pas sûr. En tout cas, j'ai adoré. Puis depuis ce jour-là, j'ai eu hâte de rejouer. Puis on est arrivé. Oh oui.
pas si long que ça. J'ai survécu. C'est que je suis. Ok. Où est-ce qu'il est? Je me rappelle bien, très bien, comme la première fois que je suis arrivé ici, j'ai demandé à Nick comment qu'on fait pour le battre. Et tout ce qu'il me dit, c'est ah. Littéralement, c'est tout ce qu'il me dit. Je dis, come on, dis-moi les là. Il m'a dit, observe l'environnement. C'est ça qu'on va faire ensemble. On va observer l'environnement. Peut-être là. Il est là. Waouh. Je peux le réveiller de suite. À l'assaut. Hiya! Oh, il est magnifique. Je l'appelle la girafe, mais je trouve que c'est un autre type d'animal. Un autre type d'animal. Sauve-toi, agro. J'ai pas voulu l'appeler. Désolé. Je pense que je l'ai touché. Ah ouais, je le touche. Salut. Wow, shit. What the fuck? Il a fait dans ben noir. Ouais, fais-le. Yes. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est ce que je veux que tu fasses. Come on. Et voilà. Ok. Et voilà. Aussi simple que ça.
Ton temps, buddy. Ton temps, buddy. Rien que tu peux faire. Oh, 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 oh. On se calme. Come on. Relax, relax, relax. Relax. Et... Ah oh, ouais, un autre coup. Un autre. Un petit dernier. Non, un petit dernier. Hey, c'est quasiment un massacre. Et voilà. Aucune défense. Ridiculement. Aucune défense. Wow. Hey, c'était le deuxième. Deuxième Colossus de l'épisode. Malade. Yay. Alright. Deuxième Colossus de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, ce deuxième épisode de Shadow of the Colossus. Prochain épisode, probablement un petit Sprinkles, comme je les appelle, sur probablement Skate 3 sur Xbox 360. Donc, c'était ça. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Laissez un like puis un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne. Puis c'était SlicePartner700 pour le channel 5D Gaming qui vous dit à la prochaine. Bye bye.